Cour de justice de la CEDEAO. La CEDEAO, institution d'intégration économique, se veut avant tout une institution au service des peuples vivant dans cet espace communautaire, une institution qui incarne et répond à leurs aspirations à la paix, au développement et à la justice. Madame la Présidente, la vision de la CEDEAO des peuples est une communauté où sont promus et protégés les droits de l'homme, les libertés publiques, la justice et la dignité de la personne humaine. La Cour de justice de la CEDEAO constitue à cet égard l'un des vecteurs de réalisation de cette vision. Mais comment assurer cette vision si la Cour n'est pas bien connue des justiciables et que les moyens de la rendre plus accessible ne sont pas créés? Au cours des 10 premières années d'existence de la Cour, d'importants efforts ont été faits quant à la nécessité de communiquer afin de mieux se rapprocher des justiciables. En effet, mise en place depuis 2001, la Cour n'a d'abord été saisie en 4 ans que d'une seule requête. L'adoption d'un protocole additionnel de 2005 qui a étendu ses compétences aux violations des droits de l'homme et ouvert sa saisine aux particuliers a permis une augmentation sensible du nombre des requêtes. Il s'agit là incontestablement d'une grande avancée par rapport à la visibilité de l'institution et à sa meilleure connaissance par les populations pour lesquelles elle est instituée. Toutefois, il nous faut reconnaître que ce progrès, si notable qu'il soit, reste largement en deçà des attentes légitimes que l'on est en droit de nourrir à l'endroit d'une juridiction communautaire de cette envergure qui a compétence sur 16 États peuplés de plus de 200 millions d'âmes. Plein succès à la Cour, je vous remercie. Alors, j'ai pas de